Nous sommes le 12 septembre 1940, dans la vallée de la Vézère, en Dordogne. C'est un jeudi, à l'époque la journée libre des écoliers. Ce jour-là, sans le savoir, quatre adolescents vont faire l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Ils vont être les premiers à fouler le sol de la grotte de Lascaux, trésor absolu de l'art préhistorique. Et on en parle aujourd'hui avec Yves Coppens. Bonjour, vous êtes paléontologue, président du Conseil scientifique international de la grotte de Lascaux. Racontez-nous d'abord en détail cette découverte totalement fortuite de Marcel Ravida et de son chien robot. Oui, je vais vous raconter ça un petit peu vite, mais il semble que ce soit le 8 septembre que ce Marcel Ravida se promène seul avec son chien. Son chien disparaît dans un fourré et il ne revient pas. Donc il va le chercher et puis il s'aperçoit qu'il y a un trou et puis que le chien est descendu dans le trou, etc. Puis ça s'arrête là et puis il rentre chez lui. Et c'est en effet le 12 qui retourne voir ce trou qui l'intrigue. Enfin, ces gens, vous savez, dans cette région, ont l'habitude de faire de la spéléologie. Et sur sa route, il rencontre ses trois copains. Et tous les quatre jeunes gens, comme vous le disiez, vont dans le trou, l'ouvrent un petit peu plus, essayent de descendre, s'y efforcent, s'y arrivent. À ce moment-là, il paraît que c'était... Enfin, il décrit ça comme quelque chose d'assez sportif. On fait du plat ventre, puis on déboule sur un cône d'effondrement, et puis avant d'arriver dans le trou, véritablement, de la grotte. Et alors, ce qui me frappe là-dedans, c'est le côté que vous disiez, le côté tout à fait extravagant de la découverte comme ça, inopinée. Et puis le fait que très très vite les choses s'enchaînent, c'est-à-dire qu'ils y vont le 12, ils y vont le 13, ils font part à leur instituteur, l'école française, une école publique quand même, c'est important, donc grande confiance en M. Laval, qui lui n'a pas trop confiance en ces jeunes gens, et il demande à un autre d'aller faire un petit croquis, convaincu par le croquis, il y va lui-même. Et c'était le 17 ou 18, quelque chose de ce genre. Et dès le 21, l'abbé Henri Breuil, qui était le grand pape, dit-on, de la préhistoire, enfin le grand préhistorien français de l'époque, dès le 21, il est là-bas sur place et il va voir lui-même les peintures en question. Alors on va quand même citer le nom de ces jeunes gens qui ont participé à cette découverte. Jacques Marsal, Georges Agnel et Simon Coanca. Vous les avez rencontrés, je crois. Oui, alors je les ai rencontrés tous les quatre, oui, bien sûr. Enfin, il en reste un. Oui. Aujourd'hui, sur les quatre, et puis bien sûr leur famille. Et j'ai rencontré surtout celui qui faisait visiter la grotte. Il y en a un qui en a fait sa vie. Oui. Et qui, de manière très, très habile, mais pas très orthodoxe, laissait les gens à l'entrée du premier petit couloir, qu'on appelle le diverticule axial, qui est somptueux parce que les peintures sont à la fois sur les bords et sur le plafond. Et il allait dans le noir jusqu'au fond du diverticule, puis il allumait. Donc d'un coup, on avait cette vision, d'où l'idée de la chapelle Sixtine de la préhistoire, qui est un peu rabattu. Et alors, il ne faut pas oublier qu'on est quand même au début de la Seconde Guerre mondiale. Une fois que cette découverte est réalisée, est-ce que la grotte sera protégée, menacée? Comment ça va se passer? Oui, d'abord de manière artisanale. C'est-à-dire que deux de ces jeunes gens, Marsal et Ravida, vont camper à côté. C'est bien, C'est-à-dire qu'ils sont tellement fiers de leur trésor qu'ils le protègent. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, comment ils se relaient, etc. Mais ils plantent leur petite tente à l'entrée du trou pour éviter qu'il n'y ait des gens qui viennent faire du vandalisme. Et puis, petit à petit, ça va devenir connu, évidemment. Il va y avoir un conservateur, que j'ai connu aussi d'ailleurs, qui s'appelait Saradet. Et puis, sur le plan de l'occupant, il y aura un Allemand, je ne sais pas à quelle époque, mais probablement dans l'époque un peu avancée, 43. Qui va s'y intéresser et qui va... Non seulement qui va s'y intéresser, mais qui est désigné en quelque sorte pour aller lui-même participer à la conservation ou assurer lui-même la conservation. Alors dites-nous ce qu'on y découvre dans cette grotte. Quel type de peinture? Alors, oui, d'abord, on y découvre des peintures et des gravures. Il ne faut pas oublier ça. Et les gravures sont beaucoup plus nombreuses qu'on dit peintures. Il y en a 1500.
Et elles sont souvent enchevêtrées, mais quand on les détaille, elles sont aussi somptueuses que les peintures. Mmh. Et les peintures, autre chose aussi qu'on ne dit pas assez, je crois, c'est qu'il y en a 600 qui représentent des animaux de la fin de cette période glaciaire. Il fait froid, mais il fait moins froid qu'il ne faisait. Mmh. Donc il n'y a plus de mammouths, par exemple, enfin, dans la mesure où... peut-être qu'il y en avait dans les environs, mais ils n'ont pas été représentés. Mais il y a du rhinocéros laineux, il y a encore du renne, il y a du bison, etc. Et d'autre part, il y a 400 cygnes. Et ces cygnes nous embêtent. Hein. On les appelle des cygnes abstraits, tout simplement, parce qu'on ne sait pas les lire. Et en fait, moi, je pense, enfin, il n'y a pas que moi, mais je pense depuis très longtemps que c'est une écriture. Mmh. On a l'habitude des écritures linéaires. Celle-là n'est pas linéaire, mais c'est l'association des peinture figurative, représentative, animal superbe, et puis des restes abstraits qui constituent le discours. Et puis ce qui est frappant, c'est l'ingéniosité de Cro-Magnon. Je crois qu'il va s'adapter au support, il va utiliser des ustensiles différents en fonction du support. Oui, bien sûr, à tout point de vue, quoi. Du point de vue des couleurs, il aura même l'idée de mélanger les couleurs, ça va de soi, de les broyer et de les mélanger, mais aussi de les chauffer. Pour changer un petit peu la couleur. Ces couleurs, il va les appliquer, soit en soufflant. Quand on raconte ça aux enfants et quand on fait des petits ateliers avec les gosses, c'est formidable, évidemment. Faut pas qu'ils soient trop habillés. Hein. Et ils soufflent la peinture donc sur la paroi. Ils peuvent la souffler aussi par l'intermédiaire de petits os creux, comme des os d'oiseaux, par exemple. Une vraie expression artistique, en fait. Ils ont sûrement des pinceaux, ils ont sûrement des tampons. Une vraie expression artistique, non seulement de la figuration de l'animal, mais un peu de son relief. Ils font des nuances dans les peintures, ce que vous disiez tout à l'heure. Mmh. Et un peu du mouvement. C'est-à-dire que quelquefois, il y a une série de représentations qui représentent des positions successives et qu'on pourrait faire défiler comme au cinéma. Alors, la grotte originale sera fermée au public dès 1963. Il existe une réplique. Vous y allez régulièrement, dans la vraie grotte, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on ressent ? Alors, régulièrement, non, heureusement, mais j'y vais en effet assez souvent. Et je vais vous dire trois choses. La première chose, c'est ce que tout le monde ressent, c'est que c'est d'abord une œuvre. C'est une grande, grande œuvre et c'est probablement l'œuvre, sinon d'un peintre, du moins d'un atelier de peintre. C'est-à-dire que c'est très homogène. Ça, c'est intéressant. Ça n'a pas été visité 15 000 fois. C'est un type qui a fait ça. Un type et son école. C'est Rembrandt, quoi. Mmh. Ou Picasso, si vous voulez. Oui, et ensuite, la deuxième émotion, c'est l'émotion du sanctuaire. On est dans un temple, on est dans une synagogue, on est dans une église. On baisse naturellement le ton de la voix quand on y entre, ce qui est drôle quand même. Oui, machinalement. Machinalement. Et donc là, c'est une impression de sérénité, silence, austérité, etc. Et troisièmement, mais ça, c'est peut-être plus rare, moi j'ai peur un peu dans cette grotte. Parce que j'ai comme l'impression, c'est une impression, hein, que ces animaux, je ne rencontre pas l'homme préhistorique, quoi. Je rencontre les animaux qui m'emmènent de force vers leur panthéon, vers leur cieux, vers leur dieu. Et quand on est dans les petits couloirs étroits, je n'y ai jamais été seul. À ce point-là, Yves Coppens, si je vous demande de terminer cette phrase, le 12 septembre 1940, c'est le jour où, que me répondez-vous ? Je vous dirais, c'est le jour où l'humanité a redécouvert... une de ces œuvres les plus extraordinaires qui soient. Merci beaucoup Yves Coppens d'avoir été mon invité dans Le Jour. L'information continue sur LCI.